recouvre notre voie triomphale d'un drapeau de fumée aux trois couleurs nationales. Héros parmi les héros, les pilotes de l'escadrille Normandie-Niémen, qui ont gagné leur titre de gloire en Russie dans les plus durs combats de la guerre, arrivent à leur tour au Bourget, où M. Bogomolov, M. Charles Tillon et M. Bideau sont venus les accueillir parmi une foule délirante d'enthousiasme. Aujourd'hui, de nombreuses croix de guerre viennent sanctionner la bravoure des camarades de combat de nos compatriotes. Cette fraternité d'armes est soulignée par le colonel Kaïkin, chef de la délégation russe. Les pilotes du groupe Normandie-Niémen, précise-t-il, nous ont apporté une aide morale très importante. Et en faisant don à la France des 41 avions de chasse Yak 3 du groupe Normandie, le maréchal Staline a déclaré: « Le combattant valeureux ne peut rentrer chez lui sans ses armes. »